Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose d'un peu particulier. J'ai assisté au sommet Art Thérapie, donc je vous mettrai tous les liens en barre info. Et il y a un atelier, ils m'ont tous intéressé les ateliers, j'ai beaucoup apprécié. Et il y en a un, je me suis dit, ça c'est génial, c'est hyper agréable et j'avais envie de le faire un peu sous une autre forme. Alors, les informations. C'était le sommet d'art thérapie francophone. Il est fini, c'était sur 4 jours. Mais en payant, vous pouvez accéder au replay de toutes les conférences. Il y en a 4 par jour. Et au replay de l'atelier, il y en a un par jour. Il y a deux versions, une version perso, juste pour vous comme ça, et une version professionnelle avec des trucs en plus qui est plutôt destinée aux art thérapeutes professionnels. Voilà, donc ça c'est pour le sommet d'art thérapie et l'atelier dont je vous parle. Donc c'est Alice Albertini qui est l'hôtesse en fait de ces conférences et qui organise ce grand sommet d'art thérapie. Donc elle est au Canada. Donc c'est vraiment francophone au sens très large. Il y a des personnes d'un peu partout dans le monde. Et je vous mettrai également, j'ai noté sa chaîne YouTube et son site internet, a priori, si je ne me suis pas trompée. Et elle a invité Théodora, je suis désolée si je prononce mal le nom de famille, Quiriconi, qui est artiste et aussi art thérapeute. J'ai trouvé son Facebook et son site internet, je présume. C'était vraiment très agréable ce qu'elle nous proposait. Et je me suis dit que plutôt que de le faire sur papier, j'avais très 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 envie de le faire sur toile. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Là, comme je le réalise sur toile et pas sur papier, j'ai déjà commencé par faire autre chose qui est de préparer ma toile. J'avais souvent des gros problèmes en essayant de préparer au gesso. Alors, je fais les petites notes vocabulaire. Le gesso, alors là c'est un tout petit parce que j'avais un petit peu des problèmes dessous et j'avais vraiment besoin de gesso donc j'en ai pris un tout petit. Mais sinon les pots sont beaucoup plus gros en général, genre comme ça, et ils coûtent 20 euros. Celui-là je sais plus, il a dû me coûter moins de 7 euros, quelque chose comme ça, puisqu'il y en a très peu. Sinon il y a la marque que j'utilisais qui était très bien mais j'en ai plus donc voilà. Et j'avais souvent des gros problèmes parce que je m'y prenais mal. C'est-à-dire que j'avais des traits de pinceau, j'avais quelque chose qui était pas propre, pas net. Et en fait, c'est tout con, il faut poncer entre chaque couche. Donc là, j'ai passé 3 couches, mais extrêmement fines. Et le résultat est nickel. On a quelque chose qui est super lisse. On voit les traits visuellement, mais au toucher, on n'a quasiment rien. Je vais allumer la lumière pour vous donner un autre point de vue. Donc là, j'ai marqué mon centre parce que voilà. C'est pour ça qu'il y a un point gris. Donc ça permet de préparer la toile, d'améliorer l'accroche. J'essaie de montrer un peu sous tous les angles. D'améliorer l'accroche de la peinture et puis de lisser aussi si on n'aime pas la texture un peu pas lisse justement de ces toiles. Alors ça c'est des toiles qui valent pas cher du tout. Je les ai depuis des années. C'était genre un lot de 10 toiles en promotion. C'est du 30-30 coton, voilà. Puis après, on peut mettre des choses derrière. C'était assez sympa de travailler là-dessus. Faut faire attention parce que si on mouille quand même beaucoup ou qu'on chauffe, parce que je peux utiliser le heat gun, elles vont quand même se tordre puisqu'on est sur une toile assez fine qui n'est pas collée sur un cadre en bois mais sur un carton. Donc ça peut se tordre hein, clairement. Et il n'y a pas d'accroche à l'arrière, donc il faut coller une patte, il faut fabriquer une patte ou coller une patte pour accrocher derrière. Alors, la manière de procéder. Un, on va. Alors le gesso plutôt à côté pour éviter d'avoir des amas de peinture. C'est pas beau. Et on va venir faire nos passes, quoi. On fait les passes, on sèche. Alors. Théoriquement, une demi-heure, 1 heure à l'air sec, moi j'ai fait au heat gun. Donc par contre, le heat gun, quand vous le passez, il faut vraiment rester rapide. On reste pas longtemps dessus parce que sinon ça peut faire gondoler, buller la peinture, ça la fait exploser. Donc ça crame. Donc c'est une catastrophe. Mais voilà, on est plutôt sur des passages comme ça. Alors moi je fais des passes pour éviter de repasser trop souvent au même endroit. Donc je fais dans un sens, dans l'autre, et puis après bah, je fais des diagonales, et puis pareil dans l'autre sens avec les autres diagonales. Quand on a fait des couches très très fines, ça va sécher extrêmement vite. C'est hyper pratique. Et
très important, et c'est là l'astuce que je ne connaissais pas, c'est qu'en fait, entre les couches, il faut poncer. Et à la fin, on reponce un dernier coup. Alors, pas trop fort, en fait. Vraiment, très peu, c'est suffisant. Moi, j'ai pris du 200 P220 ou du 168 SF. C'est du grain plutôt fin, on n'est pas sur du très épais. Là, on le voit, j'ai pas mal, parce que je pense souvent des trucs. Pour moi, celui-là, il était trop épais, c'est du 255. Ou 180 en fonction de la notation. On voit, on l'entend. Je sais que c'est pas évident de décrire un grain comme ça. Et j'ai des grains super fins, mais là ce sera trop fin, c'est des 1000, 2000, etc. qui peuvent servir pour certains trucs. Voilà. Mais voilà, celui-là, 220, 168, il a été impeccable pour ce projet-là. Ça passe très très bien. Donc je vous remonte ces styles de papier. Hop. Voilà pour les, hop là, les grains, c'est à l'envers, hein. Et le grain, voilà au niveau audio. Si ça vous aide. Bon, l'idée c'est d'avoir un grain qui est considéré comme plutôt fin, quoi, mais pas super fin, genre pour le polissage, les polissages terminaux de la Fimo ou choses comme ça. Donc on vient préparer sa toile si elle n'est pas déjà prête. Il y a des toiles qui sont déjà prêtes au départ. Et ensuite, là, on va vraiment commencer la création. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette approche aussi, c'est qu'on se pose, hein, on va vraiment respirer, on va regarder sa toile, se poser, sentir le centre. Juste respirer, se concentrer sur sa respiration. Se concentrer sur le fait qu'on est là, qu'on est présent. Toucher aussi, toucher le papier, toucher la toile. Sentir les formes qu'on a envie de créer. Donc là, c'est un peu cette phase de prise de contact avec le moment présent, avec les matériaux, avec ce qui nous fait envie. Là, je vais pas le faire avec vous parce que j'ai besoin de silence pour celui-là. J'ai vraiment envie de partir du centre silencieux. Je vous montrerai étape par étape là où j'en suis. Mais ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir justement avec les personnes qui ont fait cet atelier, de voir s'il y a possibilité de le revoir ou des choses comme ça. Moi, je peux vous décrire un peu le concept, mais j'ai pas envie de piquer le travail de quelqu'un d'autre. Donc je le ferai pas. Par contre, je vous proposerai sûrement d'autres créations méditatives parce que j'en fais souvent de mon côté et voilà. Mais l'idée, c'est de faire une spirale en partant du centre et de se connecter à ce mouvement d'expansion, d'ouverture. Quand on va vers l'autre, vers l'extérieur. Qu'on est bien. Qu'on respire de manière ample et tranquille. Puis on va faire des points justement pour poser ces couleurs en spirale. Donc voilà pour le jour zéro. Le jour zéro, c'était la préparation de la toile. Bye. Hier, j'avais préparé ma toile, donc elle est bien sèche, elle est toute prête. Et aujourd'hui, je suis déjà relaxée. Je me suis demandé de quoi j'avais envie comme couleur, comme pinceau. Alors, j'ai regardé mon pinceau et il n'y avait rien qui me parlait, donc je suis allée chercher un coton-tige. Alors, il est sale. C'est parce que je l'utilise pour la peinture, donc là, j'avais dû faire un truc un peu crème comme couleur. C'est pas du coton-tige d'oreille quoi. Et j'avais envie de bleu pour changer.
Donc, je vais mettre ma peinture. Donc, je vais en mettre plus que ça. L'habitude de travailler sur des petits formats pour un petit bout de papier, de carte. Je vais mettre un petit peu de blanc aussi. J'ai envie d'éclaircir un petit peu. Voilà. Donc voilà, je continue à respirer, à me centrer sur ce que je vais faire. Sur le mouvement qui me parle. Je prends mon temps, comme ça vient. Comme ça me parle. Voilà. Et donc je vais mettre en stop et vous reprendre à la fin. Je remarque que ma spirale, elle est beaucoup plus serrée par rapport à celle que j'avais faite avant. J'ai plus de bleu d'ailleurs. Donc j'en refais un peu. Je suis pas dans le jugement, je suis pas dans l'interprétation. Elle est décentrée. Voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. On n'est vraiment pas dans cette optique d'interprétation de choses comme ça, c'est vraiment juste réaliser, juste faire ses points régulièrement, respirer. Être vraiment dans cette régularité de venir appliquer des points tranquillement. Voilà. Donc merci encore. J'ai oublié son nom et j'arrivais pas à prononcer son nom de famille. Théodora Kirikoni. Voilà. Théodora Kirikoni pour cet exercice. On se centre tranquillement. Et voilà, sans jugement, sans interprétation, on est juste présent, présente. Voilà, j'ai fini pour ce premier passage. Le concept de passage, c'est de faire une spirale. Oui, ça y est. Je suis sortie complètement du cadre, ma spirale elle est complètement dehors et ça me va très bien. Il y a eu aussi, alors oui, ce que je voulais dire c'était que comme j'ai utilisé un coton-tige, mes points ils sont plus réguliers au bout d'un moment parce que ça s'est délité. J'aurais pu changer de coton-tige, j'aurais pu le retourner, j'aurais pu faire des choses pour que ce soit plus régulier dans l'apparence, mais au final ça me convenait et mon rythme était régulier. L'idée, c'est juste de laisser venir pour ça. Ça, c'est celui que j'avais réalisé pendant l'atelier. On voit que ma spirale elle est quand même vachement plus aérée que ce qu'on peut deviner ici, où presque on voit même pas encore la forme de spirale. Et puis, je suis vraiment restée dans le cercle. Alors que là, j'ai vraiment, je suis partie, je suis débordée. Ceci dit, ma base n'est pas circulaire. Ce qu'elle propose justement, c'est quelque chose de circulaire. C'est le deuxième des deux exercices. Elle me propose deux exercices. Je vous parlerai pas du tout du premier parce que je préfère que vous alliez voir chez elle pour ça. Donc c'est Théodora. Je vais arriver un jour avec son nom de famille. Je sais, c'est moi qui dis ça, alors qu'il y a 11 lettres dans le mien, dont un Z et un Y. Donc Théodora Kirikoni. Et je suis vraiment désolée si je le prononce mal. Je vous remettrai tous les liens par info. C'était vraiment agréable, relaxant. Ça me rappelle pas mal de choses que je fais déjà, mais j'avais besoin de variété, parce que c'est vrai que je reviens toujours sur les mêmes outils. Et ça fait du bien de changer de temps en temps. Donc l'idée, c'est vraiment, on cherche quelque chose de régulier, de tranquille, on respire, on est là, on est connecté à cette spirale qui s'ouvre, qui grandit, qui grandit. Et donc demain, ou plus tard, dans l'après-midi, si je mettrai sûrement J2, même si c'est pas J2, on verra.
Oui, l'idée, c'était pas forcément de le faire un par jour, on fait comme on veut, mais là, j'avais envie de l'étaler un peu plus dans le temps. Donc, plus tard, j'y reviendrai. Et je sais pas encore ce que je ferai, on verra. Mais l'idée, c'est ça, j'ai vraiment envie de revenir sur cet outil et de le manipuler différemment que ce qui a été proposé dans cette première approche qui est très exploratoire et très générale, je pense, parce que d'après ce que j'ai compris, elle fait des choses beaucoup plus, j'ai pas envie de dire tout à fait variées et poussées, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il y aura beaucoup plus de propositions dans ce qui n'est pas l'équivalent d'un exemple. Tout simple, quand on parle dans nos vidéos, c'est un exemple, mais souvent on a une pratique qui est beaucoup plus variée, beaucoup plus riche que ce qu'on va proposer pour on sait pas qui en fait. Du coup, c'est pas hyper adapté. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir et je vous souhaite une bonne journée. C'est parti pour un deuxième passage. Tout tranquille. Je vais mélanger mes couleurs. Prendre mon temps. Penser à bien respirer, à me poser. Alors là, on est sur une vieille peinture en fin de vie. Voilà. Elle va donner tout ce qu'elle a. Là, elle est très sèche. Je peux remettre du vert, je vais remettre du bleu avec. Juste faire ce qu'on sent, ce qui vient. Mélanger un peu ça. On peut trop les mélanger. On verra bien. J'ai envie de faire quelque chose un peu plus sec, avec des couleurs. Un peu je suis en train de chuchoter en fait. Je disais j'ai envie de faire quelque chose de plus sec avec des couleurs oui je rechuchote hein. Décidément trop de détente c'est bien pour mes espaces créatifs mais pour la vidéo c'est pas génial hein. Comme je vous disais, c'est aussi pour ça que je coupe la vidéo pendant que je suis vraiment en créa méditatif, parce que sinon je parle plus de toute façon. Mais je leur proposerai peut-être en temps réel. Dites-moi si ça vous intéresse, tiens, qu'on fasse des excusez-moi, des ateliers genre on se dit, je sais pas moi, samedi matin, samedi après, à telle heure, et puis on se fait un direct créa avec une petite idée de base et puis on se lance. Voilà. Hop. Alors, je suis désolée, mais hop. Voilà ce qui arrive quand je suis plus concentrée, le truc m'échappe. Voilà, je vais repartir un peu dans ma bulle. Prenez votre temps quand vous créez comme ça. Prendre le temps de sentir sa respiration, son souffle, son corps, les rythmiques, le bruit aussi parfois, parce que là ça, ouais, ça fait du bruit. D'ouverture. Ce mouvement qui va vers l'extérieur. Je suis à court de peinture, donc il y en a une j'avais plus, j'en ai plus donc bon on va pitouiller autre chose.
Ce que je voulais dire, c'était... je cherche pas le bon. Je cherche juste à faire quelque chose qui est agréable à faire et avec cette idée de spirale, d'ouverture, de répétition, de progression, très lent, très tranquille. Puis d'ailleurs, c'est amusant de voir comme ça a complètement changé, évolué entre la première partie avec vraiment des points et quelque chose de bleu, alors que là je suis partie sur complètement autre chose avec du vert et un aspect duveteux, je dirais. On mélange, on fait enfin, je fais comme je peux parce que c'est une. Il y en a une des deux, c'est une vieille peinture, j'aurais dû la foutre à la poubelle, mais bon, je me suis dit, allez, je trouverai bien à la terminer. Puis voilà, ça se termine. Tant qu'elle fonctionne encore. Est pas parfaite mais hop puis voilà ça me convient bien aussi de continuer mon cheminement sur le fait de travailler avec des choses imparfaites. Ce que j'ai refait c'est recommencer la spirale parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez marquée et du coup je passe plus de temps à tamponner au même endroit et c'est plus agréable pour moi en fait. Et je tape plus fort aussi. Là, je tapote beaucoup plus fort qu'au premier passage. Et je pense que je referai un autre sur la même. Je sais pas, je verrai. Mais je pense que je vais refaire un deuxième passage comme ça, vraiment. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, celui-là aussi de passage, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est celui où on a vraiment la forme de spirale qui se découvre beaucoup plus, qu'on perçoit beaucoup mieux visuellement. Et voilà. Par rapport au premier passage où c'est juste des points, alors s'ils sont bien insérés, on voit hein, la spirale. Mais là, comme on fait plus de points, alors en l'occurrence, moi, c'est pas tout à fait des points. Ça se dessine encore plus fort. Mais je vous avais montré ma première version et c'était encore différent, quoi. Je vous reprends tout à l'heure. Me voilà à la fin de ce deuxième passage. J'ai encore envie de faire un troisième passage tout de suite, pas d'attendre plus tard. Par contre, la texture était épaisse, assez dure. Du coup, il a fallu beaucoup écraser, faire preuve de plus je sais pas comment dire, de poids. Et ça n'a pas été hyper agréable. Donc vrament j'ai envie de quelque chose de plus dilué, plus léger. Donc ce que je vais faire c'est reprendre cette peinture-là. Je vous disais, elle est en fin de vie, elle est toute moussue, elle s'écrase très très mal. C'est un tube que j'ai depuis, je sais pas, peut-être 20 ans. Il est temps de. Voilà, je viens de le jeter sous le bureau, il est temps de lui dire adieu. C'est le moment. Et ce que je vais faire, c'est mettre de l'eau. J'aime bien souvent travailler la peinture sans eau directement, avoir cette épaisseur quand je suis pas sur de l'aquarelle. Mais là, ça manque de crémeux. Moi, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus doux, plus crémeux et tout ça. J'ai déjà eu ce passage qui est texturé, qui est plein d'énergie aussi. Ça aussi, ça a été marrant au point de vue ressenti, c'est l'énergie qui s'est dégagée de cette répétition de mouvement comme ça, ta 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 ta, avec le bruit. Une énergie calme, tranquille, sereine, effectivement, qui va vers l'extérieur, un certain dynamisme. Mais ouais, j'ai envie d'un truc un peu plus calme quand même. Un peu moins d'énergie, un peu plus de calme. Donc je vais retouiller ma peinture. Et refaire une spirale avec quelque chose de plus doux, plus dilué. Venir touiller, écraser les pigments. J'ai pris la palette dans ma main. Venir bien écraser, bien mélanger, bien touiller. Remettre encore un peu d'eau, un peu de bleu et tout ça. Ça a été vraiment
très méditatif aussi comme moment. Beaucoup de choses qui nécessitent pas de réflexion importante, de parler ou de choses comme ça, sont souvent des moments. Je vous invite à prendre conscience de la dimension qu'ils peuvent avoir ces moments-là, en termes d'apaisement et tout ça, c'est vraiment des moments précieux. Donc là, je vais entamer ma troisième spirale et je vais remettre en pause et vous reprendre un peu plus tard. Ouais, j'ai fini cette troisième passage. C'était assez apaisant. J'ai été étonnée que le bleu finalement du départ soit complètement recouvert. On voit quasiment plus, il y a des taches au volume. Mais il a complètement disparu, mais c'est pas fait exprès. C'est arrivé comme ça, du tout. Donc je sais pas du tout ce que ça va. Pardon. Ce que ça va donner. En évoluant, parce que je n'étais pas du tout partie là-dessus, comme je disais, mon premier exemplaire n'était pas du tout dans ce style-là, il était parti comme ça, donc je vais vous montrer, on voit vraiment bien plein de petits points en fait. Alors c'est pas des points, parce que j'ai utilisé des pointes, des kuretake, une couleur, c'est des pointes comme ça, donc des pointes pinceaux, et elles sont très souples, donc ça va plutôt marquer quand on fait toc toc toc, ça va légèrement déformer et faire des traits en fait très fins, plutôt que des points. Donc voilà, ça se ressemble pas du tout, je sais pas du tout ce que ça va donner pour la suite. Dans les exemples, c'était plutôt des feutres à bourrons qui étaient utilisés. Donc on a vraiment ces points, quoi, en fait, vraiment une notion de points. Et puis j'ai utilisé rien qui... Si il est bleu, le bleu, ça faisait vraiment des points. Mais là c'est pas du tout un truc qui fait... quand on le fait trop proche, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est moi qui ai traduit cette histoire de points en complètement autre chose. Je sais pas s'ils vont réapparaître ou pas d'une manière ou d'une autre, c'est un peu la surprise. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup quand on fait des créas très libres, dans une posture de je fais, je verrai bien ce qui sort, pas je décide. C'est l'énorme surprise, et c'est partir sur des choses où consciemment on dit c'est pas du tout mon style, c'est pas quelque chose que je ferais, et au final bah pouf, si ça arrive, et c'est comme ça. Encore une fois, l'idée c'est pas du tout de viser quelque chose de beau ou de mainstream, de on s'en fout, c'est juste ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le J3. Donc moi ça y est, je suis déjà de nouveau détendue, j'ai envie de bâiller. Peut-être un peu trop détendue, et j'ai pensé à ça. Ça permet de faire des petites perles, et ça fait longtemps que j'ai ce pot, alors je me suis dit bah tiens, j'ai envie de... Je sais pas, le verre me parle bien, j'ai envie de faire des petits traits avec ça. Voilà. Désolé, hein, je parle beaucoup moins quand je suis relaxée. Et puis je fais beaucoup plus de E et de silence. Voilà. J'ai mis ça sur le côté parce que des fois ça bave et tout ça, donc je vais commencer tranquillement à continuer ma spirale. Puis on verra bien le mouvement qui va émerger. Plutôt que des points. Ouais, finalement j'ai envie de tirer un petit peu, de poser et de tirer. Alors on peut tourner, je sais que je l'avais fait sur le papier, j'avais pas forcément eu envie de le faire avec la peinture jusqu'à présent, mais là ça me donne envie de de tourner mon support avec ce mouvement là qui émerge avec je pose, je tire, je pose, je tire. Je pose et je tourne comme ça vers l'extérieur. Et mon autre main vient aussi accompagner ce mouvement
de rotation expansive. Je vais continuer tranquillement, toute seule dans mon coin. C'est vrai qu'avec... c'est à essayer de voir si vous préférez tourner ou ne pas tourner. Ce que ça vous fait ressentir. Puis aussi, je pense que ça peut varier en fonction des moments. Vos besoins ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Je vais me mettre en pause, je vous reprends après. Voilà, j'ai fini ce passage. Alors, ça a été assez rapide, mais j'étais vraiment bien détendue en quelques minutes. Et c'est passé un truc marrant, c'est quand j'ai repris mon truc, je me suis dit, merde, c'est pas un merde négatif, c'est un merde de surprise. Oh, comment on dirait, oh. J'ai toutes sortes de merdes et d'expressions du genre. C'est qu'en fait, je suis vraiment partie avec mes traits. Il y avait la boule, en fait, et le trait tiré qui allait vers l'extérieur. Et en fait, quand on le regarde comme ça, ça ferait presque comme un tétard ou un spermatozoïde ou autre chose avec son flagelle et qui va dans l'autre sens, en fait, qui va vers le centre. Du coup, je me suis fait, oh, tiens, c'est marrant, on peut le sentir dans les deux sens. Et ouais, c'est une découverte, c'est un truc auquel je m'attendais pas. Il y a des surprises à chaque fois que je remets le nez. Sur ce tableau là qui est en cours de construction. À chaque fois c'est une découverte. Je trouve que ça aussi dans le processus créatif, c'est quelque chose. Souvent on a une idée en tête. Et on va suivre cette idée avec des plans découpés. Et là, avec cette création-là, c'est pas du tout ce que je fais. À chaque fois j'arrive et puis il y a vaguement un outil, une couleur qui arrive et puis finalement je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Est-ce que je vais faire des points, est-ce que je vais faire des traits. Là j'ai fait des prouch. À un moment le prouch il était plus touc, comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir la surprise de ce qu'on fait soi-même en se laissant vraiment guider par ce qui vient en fait. C'est un peu un mécanisme contraire à ce qu'on fait d'habitude où on planifie et on fait ce qu'on a prévu. Et là, en fait, on vient découvrir en fait ce qu'on est en train de faire et de créer. Voilà. Bon, esthétiquement, je le regarde, je trouve ça très moche. Mais je m'en fous, c'est agréable à faire. Et puis, le but, c'est pas que ce soit beau ou pas ou j'en sais rien, c'est vraiment de prendre ce moment pour soi, pour créer, pour laisser faire, pour méditer. Moi j'ai vraiment retrouvé cet état. Alors en fonction des orientations, des machins et tout ça, on va vous dire que l'état de relaxation, de méditation et d'hypnose, c'est différent, il faut pas mélanger. Moi je pratique les trois à titre personnel depuis 2005, on est en 2023, ça fait presque 20 ans, plus de 15 ans. Franchement, les frontières sont pas si nettes que ça, et ça dépend aussi surtout de ce qu'on y fait, et de ce qu'on y fout, et de ce qu'on y met, et de comment on est accompagné, des trucs comme ça, mais ça peut vraiment se ressembler. Et pour moi, à partir d'un certain niveau, il y a un même état commun, que je le ressens de la même manière dans mon corps, et... Je présume que ça peut être différent en fonction des personnes, différent en fonction du contexte, de ce pourquoi on s'en sert. Mais dans tous les cas, ce que je peux remarquer, c'est que quand je fais de la colorisation dans mon coin, tranquillement, je me retrouve dans cet état-là. On va aussi parler de flow, par exemple, des fois dans le blue, une espèce d'état d'absorption où on est complètement dans ce truc, dans sa bulle, dans son machin, à soi, très personnel, où les choses, elles coulent de source, tout vient. Tout est évident, en fait, ça se passe, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, ça, j'ai retrouvé cet état très rapidement.
avec cette spirale qui s'ouvre. C'est-à-dire que quand je le fais en auto-hypnose ou en méditation souvent centrée sur la respiration, il me faut plus de temps. Quand je le fais en auto-hypnose, ça dépend de mon humeur. La colorisation, ça va très très vite avec moi. C'est mon meilleur outil pour partir en transe. C'est prendre mes aquarelles, un tampon et coloriser. Et là, je retrouve à peu près la même vitesse que la rapidité d'arrivée de l'apaisement. Parce que chez moi, c'est de l'apaisement qui arrive. C'est vraiment on se calme et on est là. On arrête de sauter dans tous les coins. Bien entendu, c'est pas du tout universel, hein. Ça va pas du tout donner les mêmes choses en fonction des personnes. Mais ouais, j'y trouve un très très bon outil, un très bon support méditatif. Voilà, donc j'espère que pour vous aussi ce sera agréable. Et puis peut-être essayer différents supports, que ce soit la peinture, que ce soit le papier, le dessin, l'aquarelle, les feutres, les crayons, les stylos, j'en sais rien, mais faites-vous plaisir. Eh ben, à demain ou à plus tard, à tout à l'heure. Alors, bon voilà, démarrage. Je sais pas, avant de partir en détente, j'avais pensé à du rouge, du jaune, tout ça, des couleurs un peu vives. Et finalement, c'est plus ce qui m'est venu. J'avais envie peut-être de beige ou de brun et de venir retracer une spirale dans la spirale. Donc là, les points verts nacrés, ils sont secs. Et puis j'ai pris. Alors ça, c'est des. Ils étaient mignons, mais en fait, la peinture est pas bien du tout pour moi en tout cas. C'est des peintures pastel et elles sont complètement biphasées. Hyper aqueuse, ça me convient pas du tout. Du coup, je les utilise pour différents projets, machin. Et là, je pense que je vais mélanger du rose pâle, un peu du violet, un peu de rose, et puis mettre du brun pour au final me retrouver avec un brun plus clair. Et voilà, je sais pas, ça m'amuse de découvrir un peu cette couleur. Donc voilà, on voit les gouttes de flotte qui tombent alors que j'ai essayé de mélanger. La peinture dans le tube, ça c'est un truc que je déteste. En plus, ça cochonne partout, ça en fait partout. Je déteste ça. Donc, pas contente du tout de ces tubes de peinture là qui sont, ils sont cracra, ils sont dégueux. On referme, on en fout partout. Enfin, voilà. J'ai déjà du mal à manipuler les choses si en plus on file des produits qui posent problème. Pff, voilà, c'est complètement. Biphasé, ça me plaît pas du tout ce machin. Voilà. Bon, je vais les utiliser parce que je me dis, bah voilà, ça va. Sur certains projets, c'est pas forcément un problème. Ou sur. Faut bien les utiliser en dehors, sur le côté, et puis après. Donc je suis retournée à la PBO. Je pars dans tous les sens. Bon, puis là c'est vraiment l'idée de je touille la couleur. Alors vous voyez, j'ai mis vraiment très peu de brun et pourtant c'est vraiment. Elle prend énorme. J'aurais pas dû touiller avec le pinceau comme ça, de manière cracra. Elle prend beaucoup de. Il met beaucoup de pigmentation par rapport aux couleurs pastel. Alors je trouve ça trop violacé. Je vais rajouter. Du jaune peut-être. Donc comme j'avais prévu, soit du jaune, soit du rouge, ça tombe très bien. Là, je fais vraiment pif au maître instinct vers quoi j'ai envie. Du coup, moi, cette fois-ci, je devrais pas manquer de matière. Donc on arrive un peu, je sais pas, sur une sorte de. Vert brun. Je me méfie un peu les violets, les bruns par contre, pardon. Les bruns des fois ils sont un peu violacés. Y a des bruns plus ou moins, bah comme les noirs, il y a des bruns plus ou moins chauds quoi. Des fois on se rend compte
en diluant les bruns, parce qu'on ne le voit pas quand ils sont foncés, mais en les diluant ou en les éclaircissant, on se rend compte qu'en fait, ils sont on dirait des violets foncés quasiment. Voilà, bah ça me plaît bien. Alors généralement, je nettoie un peu mon pinceau pour qu'il n'y en ait pas non plus trois tonnes. Côté de là où je fous mes doigts. Bon, je sais pas, ouais, je pense que je vais me laisser porter par le mouvement. Puis on verra ce qui vient. Puis ça, si j'ai envie, bah, je repasserai dessus avec ce qui me parlera à ce moment-là. Là, je sens que j'ai déjà envie de tourner la toile et de vraiment suivre le mouvement, et peut-être moins avec des points. Ce qui m'était venu au moment du verre, c'était que les points comme ça me convenaient beaucoup moins que... je sais pas, un suivi de... des petites touches, peut-être. Je trouve que ça manque d'épaisseur. Un peu trop liquide. Mais il y a ça aussi, hein, la peinture dont je vous parlais, là, que j'aime pas. Elle est super liquide, me saoule avec ça. Donc là, ouais, c'est plutôt presque un mouvement de... ouais, de caresse sautillante. Caresse sautillante qui me vient. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me va bien ça. Donc là, je vais continuer mes caresses sautillantes et mettre en pause l'enregistrement. Voilà pour ce passage. Alors j'ai encore manqué de peinture. Je ne sais pas comment j'arrive à manquer de peinture alors que je me dis justement, je pensais en avoir beaucoup trop. Enfin, si j'ai peut-être une idée, à mon avis, je dois ajuster la quantité de peinture que je mets en fonction de ce que j'ai. Et j'arrive souvent tout juste à la fin, et puis souvent... ah bah, il en manquait. C'était vraiment intéressant ce passage aussi, avec ce volume, cette texture à travailler. Là, je suis complètement sortie du concept des points et du tapotage de départ. Mais ça me plaît beaucoup. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le changement. J'étais partie avec des points bleus et je pensais arriver sur une spirale en dominante de bleu avec des petits points et tout. Et en fait, je me retrouve avec quelque chose de presque continu avec du brun et du vert. Donc, comme si j'étais partie de l'eau, puis finalement, non, j'arrive à la terre, quoi. Là, ce qui me vient, c'est... Bon, alors déjà, sécher. Sécher, laisser sécher. J'ai envie, je sais pas, peut-être d'éclaircir un peu, de brosser tout doucement la surface avec... comme un peu... presque du sable. D'avoir quelque chose de légèrement crème jaune sur les parties brunes. C'est pas encore clair, donc je vais sécher ça. Et je pense que je vais jouer un peu avec la peinture et voir s'il y a une couleur qui me parle, une texture peut-être, parce que j'ai envie de quelque chose moins humide, plus sableux, plus poussière peut-être. Mais voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire dans 5 minutes, je sais pas, surprise. J'ai passé du heat gun sur la surface, mais je pense que c'est pas sec, je repasserai. Je réfléchissais, j'ai mis de la peinture partout. Je réfléchissais à cette idée de texture, de sable. Je sais pas forcément décrire, c'est dur de communiquer quand je suis très dans ma pensée, de communiquer avec des mots, parce que les concepts, quand je suis arrivée à un certain stade de méditation, parfois ne passent plus par les mots, même si j'adore ça, ça dépend des moments. Et en fait, je me suis rappelée de la maïzena. Et du coup, là, j'ai mis une demi-cuillère à café de maïzena dans mon reste de peinture.
Donc là, c'est beaucoup trop poudreux. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a sûrement cette possibilité de continuer ces exercices en jouant avec les textures, les matières. Alors moi, là pour le coup, j'aimerais pas forcément utiliser mes doigts. Mais je pense que ça peut être très, très intéressant de venir attraper la matière, de venir travailler la matière avec les doigts, de venir vraiment être en plein dans la sensualité, dans le sens, bah, la sensualité, c'est ce qui est associé au sens. Si vous préférez la sensorialité, la sensorialité avec un toucher plus direct qui passe pas par un pinceau, quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Alors on voit que c'est un peu moins méditatif. Je vois vraiment que la PBO en termes de pigments, enfin c'est le jour et la nuit par rapport à la peinture pastel, quoi. La peinture pastel, ça paraissait vachement bien sur le papier, et puis en fait, en vrai, pas du tout mon truc, quoi. Je regarde cette couleur-là, je me demande la texture, on commence à se rapprocher de ce qui me tente. Mais je suis pas sûre pour la couleur. Je la voudrais plus claire, moins brune, plus crème. Bonjour Séraphin. Donc ça c'est Séraphin, mon petit ange. Oui, t'es un ange. Regardé... Alors il vient regarder ce que je fais. Et il a très soigneusement contourné ma toile. Il n'a même pas marché dessus. Quand je vous dis que c'est un ange, ce chat. Tiens, allez, je vais essayer ça. C'est un truc à faire des perles, ça sèche. C'est un peu comme le truc vert nacré que j'ai utilisé ici. Ben, ça, c'est la même chose. Une autre marque, un gros contenant, mais grosso modo, c'est pareil. Ah oui, je vous dis, je mélange, j'y vais à l'instant. On verra bien ce que ça donne. Puis si ça me parle pas au final, eh ben, puis je partirai sur autre chose. J'essaierai demain, j'en sais rien. Ça, surprise. C'est déjà mieux. Vais mettre un petit peu de jaune. Oups. Voilà. Ce que j'avais déjà fait aussi, c'est utiliser du talc pour assécher une peinture qui me convenait pas bien, qui était trop liquide, qui manquait de corps. Je fais avec ce que j'ai sous la main, hein, donc des fois il y a des solutions un peu saugrenues, mais ça avait fonctionné parce que le talc en plus est super fin. Donc là on est plus vraiment dans le genre de couleur que je voulais, un petit peu trop bouillasse peut-être. Je voulais plus crème et moins cacadoie, mais bon. Pas. Je me rends compte que je n'avais pas allumé la lumière et du coup vous voyez pas forcément du tout les mêmes couleurs que moi. Oui, c'est vrai. Je fais pas le focus si il y a des choses en arrière-plan qui voient bien. On est sur ce type de texture de truc. Et puis bon, je vais voir ce que ça donne. Surprise. Mais je vais déjà repasser un coup de heat gun pour sécher. Ah oui, c'est ça. J'ai adoré. Alors mon épaule moins, je vais changer d'épaule. Le heat gun, je vais pas l'allumer parce que ça fait mal aux oreilles. Avec la caméra, c'est une catastrophe pour la vidéo, pour l'enregistrement, pour les oreilles. C'est qu'en fait, au début, bah, je faisais comme d'habitude. En fait, pour pas rester sur un même endroit et risquer de cramer ou d'abîmer la peinture, je fais des croisées, quoi. Des croisées dans un sens, dans l'autre sens perpendiculaire, et puis après, je fais les diagonales et je fais pareil dans les diagonales, et puis voilà, en gros. Puis quand je suis fatigué, je fais un peu n'importe quoi. Et en fait, là, je me suis relancée dans la méditation en suivant avec le heat gun justement ces spirales. Et en fait, c'était vraiment très agréable et ça venait parfaitement relancer le système. Au lieu de me couper de cet état d'absorption,
Parce que déjà, il y a le bruit hein, du heatgun. Mais au lieu de me couper de cet état d'absorption en mode ouais, bon, bah, je sèche, machin, ça m'y replongeait. De venir suivre le mouvement de la spirale, déjà avec le bras. Et puis aussi avec les yeux, en regardant là où je vais et en faisant ça en pleine conscience. Voilà, donc je vais faire ça, mais hors caméra, parce que sinon ça va vous latter les oreilles. Et je reviens après. J'ai fait plusieurs passages au Widgan, comme j'avais fait des couches très épaisses, malgré plusieurs passages. C'est pas sec en profondeur. En dessous. Souvent, je me réfère un peu à la brillance de la peinture. Quand elle sèche, elle devient plus mate. Et du coup, on sait qu'elle est plus sèche. Mais ça, c'est valable quand on fait des couches fines. J'allais dire propres, fines. Parce que c'est ce qui est conseillé pour avoir un truc bien lisse. Mais là, c'est pas ce que je voulais. Donc, tout ce qui est chose comme ça va être sec en superficie. Mais la bulle, la quantité de peinture au centre ne sera pas sec. Donc je sais que techniquement, si je voulais faire quelque chose de travailler esthétiquement, si j'étais dans une recherche peut-être plus de démarche esthétique et non pas de ressenti, je le mettrais en pause plus longtemps. Mais là, ça m'appelle, me dit c'est maintenant qu'il faut travailler ce brin. Donc j'ai passé plusieurs coups et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est maintenant. Ça dit c'est maintenant. Poser ça là, je sais pas encore par où le commencer et par le centre, mais voilà, samedi c'est maintenant, c'est là. Petite touche par dépôt. Ouais, c'est ça l'idée. Peut-être des deux côtés. Donc je vais faire vraiment mon passage comme je le sens là. On n'est pas obligé de faire continuer hein, en continuité, pardon. Je sais pas, mais sur ce coup-là, ça m'appelle vraiment en continuité. Alors. Sais pas pourquoi. Bon, qu'importe. Je me recentre. D'ailleurs, je vais mettre en pause. Ça me convenait pas, j'avais une sensation de quelque chose qui était déséquilibré, donc je suis partie au centre. Et en fait, je veux les deux côtés. Donc je vais les faire en même temps. Je vais rattraper de l'intérieur. Et je vais faire les deux côtés comme ça en même temps. Je sens que c'est ce qui me convient là, à ce moment-là. Il me plaît ce chemin, puisque c'est clairement devenu un chemin. Ça m'est apparu comme ça, c'est effectivement une route, un chemin avec de l'herbe et de la terre, et c'est très bien comme ça. Et là, il me plaît avec tous ces volumes, toutes ces irrégularités. Il est un peu caoutchouc. Je vais vous montrer un peu de près le volume que ça donne. Il est vraiment très marqué. J'essaie de retrouver la caméra. Toujours un peu beaucoup dyspraxique. Si dans le sens là, oui, c'est dans le sens là que je vais. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Et là, j'ai encore envie de retravailler le vert cette fois. Je sais que c'est pas avec du tout ce pinceau-là que j'ai envie de le travailler. J'ai envie de le travailler beaucoup plus. Voilà, le mouvement il est là. En bordure très léger, par petits à-coups. Je sais pas avec quelle couleur, mais
Voilà, ça continue à bouger et à se former au fur et à mesure des passages. Il y a quelque chose qui, à la fois, s'approfondit et s'épaissit, se cumule de passages qui, à chaque fois, me fait rentrer très très rapidement en méditation, voire même de plus en plus rapidement sur ce média, ce tableau-là en particulier, comme si je m'y reconnectais par un signaling d'auto-hypnose, par l'habitude, comme un ancrage hypnotique, quoi. J'ai dit signaling, c'est pas le bon mot. Ouais. Je vous disais que je suis très détendue en méditation et tout ça. J'ai beaucoup de mal à connecter aux mots, alors que j'adore les mots et que je parle très facilement. Mais spécifiquement, quand je suis en mode créatif, je parle plus, ou je parle à l'écrit, mais plus à l'oral. Je suis dans ma bulle et la communication devient très difficile. Enfin, la communication vers l'extérieur. Mais là, c'est vraiment. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui ouvre, en fait, la spirale vers l'extérieur. C'est apaisant et ça ouvre. Une énergie super sympa, quoi. Très, très, très sympa. Bonjour à toutes et à tous. Oui, encore. Donc, je vais reprendre aujourd'hui. J'ai toujours envie de vert. Ça a séché. La distinction entre les deux bruns s'est effacée. Et en fait, j'aime beaucoup l'aspect granuleux, l'aspect épaisseur qui s'est développé. C'est vraiment. Ça me parle, en fait. Ça me parle bien sur le brun. Mais c'est vrai que sur le vert, j'ai pas cette sensation-là, quoi. Et là, justement, j'ai vraiment envie d'être dans le vert, de retravailler le vert. Aujourd'hui, on n'a pas la même luminosité. Il fait gris, pas très beau. Donc, je suis pas allée au soleil comme les autres jours, me poser tranquillement. Et voilà, on verra si ça change quelque chose. J'en sais rien. Bon, on verra pas. Et puis voilà. Alors cette fois-ci, pour pas abîmer mon pinceau et puis pas y aller comme une grosse brute, j'ai pris un cure-dent. J'ai toujours des vieux cure-dents comme ça, cracra. Ils n'ont pas servi pour les dents. Hein. Je les plante dans une mousse et je m'en sers pour percer un truc, touiller un machin. Je les récupère, etc. pour déposer de la colle ou autre chose. Et c'est très pratique. Ça fait partie des petits objets qu'il peut y avoir à côté de moi dans le bureau. Des cure-dents et des cotons-tiges qui ne servent pas du tout pour l'hygiène, mais pour les bricolages. Alors, je crois que j'en ai un autre qui est tombé de la mousse. Voilà, je profite pour le ranger. Donc j'y suis à mettre le nez dedans. Donc bien se poser, regarder les couleurs qui parlent. Peut-être envie d'un truc un petit peu plus foncé, un peu moins flashy quand même, hein, parce que c'est quand même du vert très tendre, peut-être un petit peu trop mon goût. Celui-là est un peu plus foncé, mais aussi un peu plus turquoise. Je sais pas, on verra. Je vais mettre un petit peu d'eau touillée et on va voir si la couleur me parle. Là, j'ai remis de l'eau parce que j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus doux à manipuler en termes de touche. Alors pour moi, c'est encore un peu un verre un peu flashy. J'adore touiller la peinture, je trouve que c'est hyper relaxant. De voir les couleurs se mêler, les spirales, pour le coup, disparaître. Les marbrures. Je trouve que c'est joli. Ça peut être aussi un moyen de rentrer en méditation, de se centrer, que de mélanger ces couleurs tranquillement. Ce vert-là me parle pas mal. Je trouve ça joli. Voilà.
Et là, on retrouve déjà encore cette sensation de répétition. On n'a pas des masses à réfléchir, on fait. Et j'aime bien. Ben, je pense que ça me convient. Manque peut-être un peu d'eau, je sais pas. Petite goutte d'eau. Marrant parce que je suis partie d'un truc complètement abstrait, puis finalement je me retrouve avec quelque chose qui m'évoque la terre, l'herbe. Allez, hop. Donc respirer tranquillement. Se poser. Ouais, et là c'est ça me parle bien les petits points. Plein de petits points. J'aime bien ce que ça donne. Au point de vue du ressenti physique, on a ce petit retour. Je l'ai au niveau du petit doigt là. Je sens mon appui, c'est mon petit doigt. Voilà, ça va être un petit peu long et moi je vais mettre en pause et je vous reprends après. Voilà, je termine, il me reste plus beaucoup à faire. Ce que j'ai remarqué avec amusement, c'est que je suis beaucoup plus dynamisée avec ces petits points touk 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 que quand je venais frotter la surface lentement et tout ça, qui avait tendance à plus m'endormir, me faire bailler. Dans un bon sens du terme, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de. Sur ces états-là, si on veut parler d'états, il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a juste de plus ou moins adapté au moment où. Et quand on est en processus créatif, pour moi, tout est bon, hein, à partir du moment où on est confortable, quoi. Et donc en fait, le fait de faire des pointillés, d'avoir cette répétition musculaire m'a donné beaucoup plus de dynamisme que de venir caresser la surface. Donc je trouvais ça intéressant, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant à partager comme retour, pour que vous aussi vous puissiez vous poser la question de... quand vous faites ça, est-ce qu'il y a des mouvements qui vous font ressentir plus certaines choses ou plus d'autres? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps au final? Donc j'ai beaucoup aimé cette passe, ce passage. Je vais zoomer, enfin je vais surélever plutôt. Je vais vous montrer en fait, il y a... voilà. Ça fait un aspect un peu nuageux, duveteux. Ça se voit plus en vrai, mais je suis pas sûre que ça reste. Pardon. Mais je suis pas sûre que ça reste. Parce que des fois, c'est des choses qui disparaissent un peu au séchage. Ça paraît plus clair quand c'est encore mouillé. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment envie de continuer. Je suis en train de faire du bruit. J'essaie d'attraper cette couleur. Je vais continuer, peut-être plus espacé cette fois, un peu plus doux, écarté, je sais pas trouver les mots, tellement du ressenti un peu plus espacé, on va dire. Mais c'est pas tellement dans l'espace, c'est dans le ressenti un peu moins tac 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 tac, et un peu plus, moins rythmé, on va dire. Je pense que je vous referai hein, des créas méditatives, mais avec des supports qui viendront pas forcément spécifiquement de quelqu'un d'autre, parce que je suis souvent en train aussi de me poser la question, est-ce que t'es pas en train de lui piquer son outil ou des choses comme ça. Donc je suis pas forcément très à l'aise pour tout vous montrer et je fais pas de guidage. Parce que je pense que voilà, c'est à elle de faire ses guidages. Et du coup, je ferai plutôt vraiment les miens de mon côté.
Et j'utiliserai des mots beaucoup plus simples que ce que je fais actuellement, habituellement, pardon. Voilà, pour éviter ça, effectivement. Beaucoup d'onomatopées, je retournerai sur des trucs qui sont un peu plus proches de ma manière de parler quand je suis en hypnose. Et oui, parce que je n'ai pas toujours la même manière de parler. Un vocabulaire beaucoup plus... Il n'est pas pauvre, hein, quand même, en hypnose, mais j'utilise beaucoup de synonymes et c'est différent. De synonymes, de métaphores, mais avec des mots peut-être un peu moins complexes. Je suis peut-être un petit peu moins obsédée par la précision quand je suis en hypnose que dans mon état normal, habituel. Tant que je me recentre, je respire. Tiens, je me dis même, je peux faire quelques spirales qui s'agrandissent dans la peinture pour récupérer la peinture. Connecté à cette spirale qui grandit, qui grandit, qui grandit. Puis venir déposer les points où j'en ai envie, là où je le sens. Toujours sur cette forme de spirale qui va vers l'extérieur. Une spirale qui s'ouvre. Qui s'épanouit. Voilà pour la troisième passe, je crois, le troisième passage. Alors, petite note, je me suis mis plein de peinture sur l'avant-bras. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de sécher, du coup. J'avais pensé au mélange des couleurs et tout ça qui n'était pas forcément souhaité. Mais très basiquement, il y a le problème de s'en mettre partout et d'étaler la peinture sur soi. Voilà. Donc, je continue avec ce qui me vient. Toujours encore vert. Vœu vert. Moi, vœu vert. La peinture, elle sèche un petit peu quand même dans la palette. Donc, je remets de l'eau. Et je pense que je vais refaire un peu le même type de passage. Peut-être un peu plus léger, je sais pas. Voilà, je vous reprends après, pour la suite. Je retravaille un peu, je fais mes couleurs, mes machins, comme ça vient. Voilà, donc pour le vert, ça me convient. J'ai refait vraiment plusieurs passages avec les verts en bois qui sont un peu mélangés, pas justement mélangés dans le pot. Plein, plein, plein de petits points. Là, ça a été vraiment plein de points. Ça a été très agréable et assez dynamisant à faire. Ce que je vais faire, c'est que donc là, je vais couper et la prochaine, donc pour moi, ce sera la prochaine vidéo, mais je vous montrerai tout d'un coup. La prochaine section, on va dire, je mettrai J6, mais là, on est en fin de matinée, ce sera peut-être l'après-midi. Enfin, je vais changer d'humeur, je me remettrai en détente et après, bon, voilà, c'est soit J6, soit J6 après, mais je le mettrai quand même en tant que tel. Donc, à tout de suite pour vous. Alors, c'est pas J6, c'est J5 et demi. Je me rends compte que je vais retourner peut-être la caméra. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Oui, et puis bouger ça. Donc, je suis bien zen. Bien tranquille, j'avais envie de rouge et de jaune. Je sais pas forcément
Ouais, tiens, le jaune. Quand je vous disais que j'étais bien détendue, là, c'est... Je reprends ma palette de tout à l'heure, mais je vais pas réutiliser le vert qui reste. Et j'avais envie de points jaunes de lumière et puis de points rouges aussi. Pour apporter quelque chose de lumineux, je sais pas ce qui m'est venu. Je suis allée m'allonger un petit peu dans le lit en début d'après-midi là. Et au retour, c'était ça. Donc je me remets tranquillement dans le mood, dans l'humeur. Et je vous encourage à faire pareil de votre côté, de bien respirer tranquillement, de bien se mettre dans l'optique d'un mouvement répété, etc. Voilà pour le passage avec le jaune. Je mets un peu de lumière. Et là, je vais passer un coup rouge. Et j'avais envie de, à nouveau, plein de petits points, mais quelque chose de très, très vif, très, dynamique. Comme si le rouge n'était déjà pas assez en soi. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester mon cure-dent pour faire ça. Ça m'est déjà arrivé. Mais souvent, ça fait des points trop fins. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. Eh ben, si ça donne à peu près ce que je veux. Il y a une petite pointe à écraser. Hop. Voilà, ça donne un peu le rouge que je veux. Je vais approcher. Voilà, ça fait vraiment des tout petits points. Et on voit bien l'aspect de tous ces verres qui s'entremêlent et qui sont... Pourtant séparés où les points ont vraiment créé cette structure. Donc là, je suis hyper contente et je vais faire tous ces petits points tranquillou. Voilà, c'est fini pour le moment. Ça me plaît bien. Si j'ai envie d'y retourner, j'y retournerai. Mais pour l'instant, moi, j'ai la sensation que c'est bon, c'est fini. Et je vais le laisser terminer de sécher. Je m'en suis encore plein les doigts. C'était une expérience intéressante. Alors, par rapport à ce qui était... Donc, comme consigne au départ, je suis complètement partie en vrille, mais l'exercice méditatif, il est toujours là, il est toujours très intéressant. Et je pense que ce type de support, après, il peut aussi rester à la maison, dans un couloir, aux toilettes, ces endroits où on peut les voir, et puis de temps en temps se faire juste quelques tours de spirale à suivre avec le regard. Et voilà, se recentrer sur non, justement se décentrer et se connecter à cette idée d'ouverture, d'expansion. Et pourquoi pas d'autres outils pour au contraire se recentrer pour le coup et aller vers l'intérieur, plutôt peut-être des cercles concentriques, moi ça me parlerait bien. Pour moi, c'est bon pour le moment et puis j'espère que ça vous donnera envie de regarder. Théodora, j'ai retrouvé son nom, Théodora Kirikoni, voilà. Éventuellement aussi les sommets d'art-thérapie et plein d'autres choses. Il y a aussi Alice Albertini dont je vous parlais. Je vous retrouverai tous les liens en barre info. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo super longue. J'essaierai d'en faire des. Plus courte déjà et puis de vous proposer des vidéos créa vraiment méditatives parce que moi j'en fais de mon côté donc effectivement pourquoi pas partager là-dessus aussi mais ce sera sous un format différent parce que là c'était vraiment un peu particulier c'était pas du tout mon outil c'est un outil que je viens de découvrir et que j'ai bien apprécié voilà et ben bonne création à toutes et à tous salut.